bien? Moi ça va très bien. J'avais voulu faire une petite vidéo pour vous présenter mes cartouches de chasse pour le canard. C'est parti, allez, on commence. Donc voilà, donc les cartouches pour le canard, voici dans cette boîte. On va commencer tout de suite par de la boîte. Donc par de la Rootwell, calibre 12. 28 grammes. Là on peut voir le fond. Là, ils ont quoi. Donc voilà, c'est de la bonne cartouche. Hein. Dans la boîte. Donc ça fait un peu longtemps qu'ils sont là. On va les tirer ce soir. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je la sortirai je pense ce soir ou lundi. Voilà, Rootwell. Petit game. Du 4. À quoi nous avons de la FOB Saturn, la standard, non du 4 aussi. Voilà, celle-là elle est vachement bien cette cartouche. Vraiment cette cartouche je vous la conseille parce qu'elle est vachement bien et tout. Donc voilà. Donc cette FOB ici. Après nous avons de la BP, je sais pas si vous voyez bien. BP. Voilà, que j'ai acheté à Ocedo. Voilà, la BP qui est bien aussi, mais ça tape pas trop, je trouve. Après, celle-là c'est vachement bien aussi. Dafob Atomic, la standard, celle-là elle est vachement bien. Putain, les canards ça pète à fond. Ça. Donc voilà, c'est vraiment bien cette cartouche. Après là aussi j'ai quelques cartouches pour la bécasse, du 9, voilà des cartouches pour la bécasse. Maintenant ici j'ai quand de la Rootwell là mais pas la même. Voilà, d'autres Rootwell. Donc voilà, et non attendez, après, j'ai encore quelques cartouches ici. Une Winchester. Je sais pas si vous voyez bien. Non, mise au point, ouais, non, c'est Winchester. Comme ceci, voilà. Winchester et la Saloniac. En 4, les signes Saloniac. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre un like. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine. Salut les gens!